l'éternité, de l'éternité à l'éternité, c'est toi Jésus. Et nous voulons, Seigneur éternel, recevoir ta grâce, ton amour, ta bonté, et que le ciel s'ouvre en ce moment, que ton peuple reçoive la paix. La paix que le monde ne peut jamais nous donner. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. Papa Moïse, Zambé, pour tout mon anneau. Que Dieu soit une fois de plus loué. Zambé, la mission, année de la malissus. Parce que nous avions passé hier un événement de mariage. Et je bénis encore l'église, le peuple de Dieu, qui ont assisté à la salle en temps de culte. Et il y a aussi quelques bien-aimés qui étaient aussi la nuit. Qui sont présents dans la salle aussi. Malgré la majorité des gens qui étaient là, ne sont pas ce matin. Ça se comprend, ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Voilà pourquoi le jour où Israël est sorti de l'Égypte, il marchait dans le désert. Mais en tant que des humains dans la chair, sa peuple était tellement fatigué. Et Josué les avait fortifiés. Au bout d'un moment, Israël commence à se poser la question. C'est cette question que tu te poses. Je prie. Je cherche. Je donne ma dîme. Je donne mes offrandes. J'obéis à la parole. Je crains Dieu. J'ai tout abandonné. J'ai abandonné la vie de péché. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si je ne sais pas prier. Ou je prie mal. C'est ça la question qu'Israël s'est posée. Pendant qu'ils étaient dans la marche, il s'est posé la question, Moïse. Mais où est ce Dieu que tu nous parlais? Les soi-disant Dieu de Bête, le Dieu d'Abraham qui nous a délivré. Mais heureusement, ce peuple avait un nom. Et c'est ce moment que tu as voulu traverser. Tu te poses des questions. Seigneur, quand j'étais encore dans le monde, je mangeais, je buvais, je m'habillais, j'étais bien. Mais dis-nous que j'ai pris la décision de te suivre. J'ai pris la décision de te servir. C'est comme si tout a changé. C'est comme si rien ne marche. Heureusement, que pendant ce marche, le peuple avait Josué. Et chaque fois, Josué leur disait, écoutez, nous avons la promesse. Même si nous sommes fatigués, mais nous devons continuer la marche parce que nous savons où nous allons. Un vrai peuple de Dieu ne se limite pas dans le chemin parce qu'ils savent la promesse de Dieu. Celui qui connaît la promesse, même si aujourd'hui sa vie ne marche pas, il sait d'où il vient, où il va. Pendant qu'on connaît la destination, on ne se fatiguera jamais. Même si l'ennemi tourmente la chair, même si met des obstacles, mais je sais là où je vais. Je sais que je ne suis pas seul. Et Moïse était à côté pour rassurer Israël. Et Israël écoutait. Même si les Égyptiens montent, en craignant contre vous, mais comprenez une chose. Que
vous n'êtes pas seul. J'ai dit à quelqu'un, je rassure quelqu'un que tu n'es pas seul. Ne te fatigue pas. La période que tu traverses, ce n'est qu'un désert. Mais la terre promise est quelque part. Mais il te faut la force. Amen. Dis-moi amen. Amen. Il te faut. Voilà pourquoi Dieu avait dit à son peuple que vous aimeriez l'Éternel de tout votre cœur et de toute votre force. Parce que Dieu savait que la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des gens qui vont te combattre pour que tu abandonnes. Les gens vont s'élever contre toi. Pour que tu n'arrives pas à ta destinée. Mais si tu connais là où tu vas, si tu connais qui tu marches, si tu connais avec qui tu marches, tu ne verras jamais ces gens-là qui te combattent. Tu vas toujours avancer parce que ce n'est pas ces gens-là qui t'ont appelé. Ce n'est pas ces gens-là qui t'ont établi. Si tu es là, ce n'est pas à cause de Corée et d'Atan, mais tu es là pour le Seigneur. Si quelqu'un peut dire amen. Je suis venu rassurer quelqu'un. Je sais que ta foi commence à faillir. Tu commences à te décourager. Tu te poses la question. Si tu pries bien ou pas. Si tu es dans le faux ou dans le vrai. Mais je veux te rassurer. Ce matin, que tu es dans le vrai. Tu es le faire voir. Que tu n'es pas dans le vrai. Que tu abandonnes. J'ai dit à quelqu'un qu'il pleuve, qu'il neige, l'été, l'automne, il est printemps. Normalement, jamais. Parce que tu es avec Dieu. Amen. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Pendant que les gens t'insultent, tant qu'on va te finir, Dieu t'élève. Ça va aller pour moi. Pendant que les gens te critiquent, Dieu t'élève. L'essentiel, ce n'est pas le témoignage des gens. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais le témoignage que tu attendras, c'est que Dieu dit de toi. Même si les gens te critiquent, ne t'occupe pas de ces gens-là. Mais occupe-toi de ce que Dieu dit de toi. De ce que Dieu dis de toi, c'est ce qui est important. Tchamomo kili yefinaka, tchamomo na ikato baka, tchamomo kili yetumbaka, tchamomo na ikato baka. Na ningi Yesu, me makomo yanza. Yo sala ka bato ba ofina yo. Suka na bango ba yeba ke muto za kana tsa je ku tsu. Je sala fa yo ko mo ke tsu marche avec Dieu. Na ko kitaka. Kitaka na pai. Kitaka na kembo. Abo mo la. Sabe a kitaka na kembo pourquoi? Sabe il descend en plus sa gloire pourquoi? Pour confondre le bato ba ofina. Pour confondre les gens qui te suivent. Je dis à quelqu'un, l'état de confusion va te pousser. Le temps de la confusion s'approche déjà. Va te dire cela parce que ça t'a confondu. Ce monde-là s'est reconfondu. Ah, dis pas amen à bien, maman. Tu peux dire amen, maman. Papa Kitaka. Papa Yenge. Kitaka na Kemboye. Papa na Kanyusa. Papa Kitaka na Kemboye. Kitaka papa ye, apesa kama kasi ye, asekwisa kanyoso. Tika nzamba peso makasi. Est-ce que Dieu te fortifie? Nadobi, quand nous voyons la tombe, nous avons besoin de Dieu. Venu ce matin, te laisser dans tes portes. Là, soyez les bas qui m'a maté les mains. Là où c'est fatigué, maman, relève-toi.
Personne ne doit te séparer de Dieu. Là où tu as fait la rencontre avec Dieu. Là où tu as commencé avec Dieu, ils étaient par là. Comme Dieu tout ce qu'il veut. Dieu te connaît mieux. Et bien, Dieu te connaît mieux. Amen. Je parle sur la puissance de la parole. La puissance de la parole. Nous allons lire rapidement. Le livre de Jean, chapitre 1er. Pour le lever, pour le respect. Jean chapitre 1er, le verset 1er au verset 9. Au nom de Jésus-Christ. Non, je dis, nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Amen. Je vais compter jusqu'à 3 et nous allons lire. 1, 2, 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle sur la puissance de la parole. Vous avez dit à l'église que nous allons rester ici pendant un moment. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas une église. L'église a perdu sa fusion. Et l'église a perdu sa saveur. L'église a perdu sa mission. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ confié à ses serviteurs, à ses disciples la mission, la première des choses que Jésus avait dit à ses disciples, il dit allez, faites toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer mes commandements. C'est que la première mission que nous avions reçue de la parole, c'est de vous enseigner et de vous faire d'abord des disciples. Pas de vous faire des combattants, mais d'abord des disciples. Et c'est à un disciple que Dieu a donné le pouvoir de combattre. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est en train de former des combattants. Des gens qui combattent dans les néants. Des gens qui combattent sans enseignement. Des gens qui combattent sans formation. Mais d'abord, c'est la formation. Dans cette formation, c'est l'enseignement. Quand tu y as l'enseignement, tu deviens un disciple de Jésus. Voilà pourquoi aujourd'hui l'église souffre. Parce que la majorité des gens qui viennent à l'église, c'est des combattants. Il a été formé quelque part. Des combats, des combats. Formé quelque part. Des combats. Mais comment on peut combattre si on est enseigné? Un peuple qui est fondé dans l'enseignement.
ne pas jamais. Même s'il y a les vents, parce que le fondement, sa fondation est solide. Il est fondé sur le roc. Mais quand tu vois la vie chrétienne de quelqu'un, moi je ne te vois pas. Je vois le soubassement. Je sais que en dessous, tu n'as rien. Mais si tu avais la racine, même si les vents te touchent, même si tu bouges, mais tu ne peux pas te déplacer, parce que tu es fondé par le soubassement. Tu peux te présenter devant les démons. Oui, comme il dit, c'est une notion de démon. Même si le pasteur n'est pas là. Attends, comment il connaît ça, tu ne vas pas te défendre. Mais tu sais te défendre. Yo, oui, bah, le bengeni, au salé là, au yébi, on a pointé, au long, au bout là. Tu sais que même si le pasteur n'est pas là. Yo, il y a ça, comment va te défendre. La connaissance que j'ai. Je peux résister les démons. Je peux prier. Et que ma situation s'y change. Je suis capable de prier pour mes enfants. Capable de prier pour ma famille. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance de la famille. Et voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une arme puissante. La parole a existé. Tout ce que vous voyez a existé en elle. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole a créé. Au commencement, la parole a existé. Et la parole existera jusqu'à la fin. Simeon passera. Un bishop passera. Un apôtre passera. Des élus passeront. Des rois passeront. Des présidents passeront. Mais la parole demeure éternelle. Voilà là où nous devons faire confiance. Et c'est cette parole qui fait de nous les enfants. Voilà pourquoi la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et en elle était la vie. Et dans cette vie, il y avait la lumière. Voilà pourquoi quand il s'est présenté, Jésus comme étant la parole, il a pris ses deux qualités. La vie et la lumière. C'est que Jésus, comme étant la parole, pour que nous confirmions que Jésus était la parole, il faut voir ses deux caractères. Ses deux caractéristiques en Jésus. La parole était la vie. Ça, c'est le premier caractéristique. Deuxième caractéristique, la parole était la lumière. Je parle de la puissance de la parole. Pour que la parole soit puissante, il faut que cette parole soit vie. Pour que la parole soit puissante, il faut que cette parole soit la lumière. Parce que si une parole ne donne pas la vie, ce n'est pas une parole puissante. Si une parole ne donne pas la lumière, ce n'est pas une parole puissante. Quand je parle de la puissance de la parole, la puissance de la parole, il y a deux caractéristiques qui rend cette parole puissante. C'est que cette parole doit avoir la vie. Quand cette parole sort, ça doit donner la vie. Quand cette parole sort, ça doit éclairer. Une parole puissante. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un que la parole de ton oncle n'est pas puissante. Parce que cette parole ne donne pas la vie. Ça donne la malédiction. Donc, une parole qui n'est pas puissante n'a pas de pouvoir. Quand la parole de Dieu
ténèbres. C'est que là où ta famille avait posé la malédiction, là où la parole est attente, avait barré la route à tes bénédictions. J'ai dit à quelqu'un ce matin, il y a une parole qui a été prononcée depuis l'éternité. Cette parole apporte la vie. Cette parole apporte la lumière. Amen. Dis-moi amen. 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 Non, un grand amen. Amen. Le premier caractéristique de la parole. Il y a beaucoup qui connaît là. Pour que la parole soit puissante. Premièrement, cette parole doit apporter la vie. Voilà pourquoi la Bible dit amener l'été la vie. L'apôtre Paul dit ceci. Vous, autrefois, qui était mort par vos péchés. Il vous a rendu à la vie. Par sa parole. Quand la parole de Dieu vient. Là où il y avait la mort, et si vous couvrez, tu dois être ressuscité. C'est que l'on sait quoi. Là où il y avait la mort, et si vous couvrez, pas de péché. Il faut que ta vie soit ressuscitée. C'est quoi, on sait quoi. Une parole puissante, c'est une parole qui donne la vie. Et ça va moyen de sa mort. Là où tu marchais dans le péché, et si vous êtes content pour la maladie, là où tu étais mort, et si vous couvrez, il faut que cette parole, c'est qu'elle te malogo, pour que ça soit puissant, pour que ça soit capable de donner la vie. C'est une parole qui ne donne pas la vie. Il ne peut pas ça moyen. Et ça, aujourd'hui, je me pose la question. Papa, les dans des églises, quelle parole est prêchée? Quel enseignement? Des enseignements qui ne donnent pas la vie. Mais des enseignements qui donnent la peur. Lazare, sort, vivant, il est paro, qu'a-t-il le moment? Maman,
Maman, les choses de Dieu, vous les prenez, papa, je ne comprends pas comment. Hein? C'est pas du roman. C'est pas des histoires fausses. C'est pas des histoires racontées, des fausses histoires. C'est ce n'est pas aussi de réalité. C'est de la vérité. Amen. Parce qu'il y a d'autres réalités qui ne sont pas des vérités. C'est d'abord réel, mais ça fait. C'est réel, mais c'est pas vrai. Mais la vérité reste la vérité. Mais au solo, et même en anté, et dit qu'à la au solo. Et quand le Seigneur a crié, tant qu'on connaît ce moment, la salle est sortie. La salle a abîmé un peu là. Pourquoi? Pour la nuit. Parce que c'était la parole de Dieu. Pour tes acquis, moi, la samba. Vous savez, tu as envie de pleurer pourquoi? Vous avez collé la peau la nuit. Parce que tu n'as pas confiance en la parole. Pour te dire, ça qui met un peu pour l'île qu'elle a mal. Tu pleures parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Pote, yo, on dit qu'il n'a pas besoin de pénétrer. Abakouk, le frère d'Abakouk nous enseigne. Mais quand il y a Abakouk, il y a un tangi sabiso. Il dit même si ça t'a. Alors, attends, mais j'ai compris la part. Abakouk. Un prophète. Il est au Saboun. Il dit même si ça t'a. Alors, attends, mais j'ai compris la part. Vous savez, le verbe est tardé. Oui, le logo, Abakouk, il n'a pas de limite. Il y a des abouk et Kanamoulaï. Ils ont même assez de soucis. Même si. Attaque au moule, et que rien ne change. Tu vas commencer comment, madame? Même si j'ai 40 ans. Attaque au tout combiné. Rien ne change. À combien de moments il a une hôtel? Je me pose sur la parole. Je sais qu'avec cette parole, un jour, mon colo, un jour, mon colo existe. Et ça un jour, mon colo existe. Et ça l'île avec la parole. Pendant que je ne suis pas mort, Salomon dit dans le livre d'Ecclésiaste. Celui qui vit, mon temps est coupé, espère encore. Pendant que je suis vivant, j'espère encore. Mais celui qui est mort n'a pas d'espérance. Et pendant que je vis, Lydia. Amen. Maman, dis-moi, Monica. Maman, la manière que tu vois le pasteur, côté de la Wota, d'où il est venu. D'abord, on dirait la chambre d'église au Rennes, maintient tout le monde sur l'avion. Papa, il a envie de mettre tout le monde d'église au Rennes dans l'avion. La Rwanda Air France. Papa, il loue un avion Boeing Air France. La même chose sur la Kinshasa. Tout le monde débarquant à Kinshasa. 8 mois, on est dans notre tambour. On commence à marcher. Tire la Kinga 4. Jusqu'à Kinga 4. Et là, il accepte l'autre côté dans la Rwanda. Notamment, il y a Julie. Papa, nous en passons bien. Dieu est bon. Il y a un moment où nous sommes dans le Seigneur, c'est dans le Seigneur. Papa, quand il sert le Seigneur, il y a des blagues. C'est où le Seigneur l'a ramassé. Et la lignité Yosok, c'est dans ce coup. Papa, il refuse que toi, tu fasses le travail pour le retourner là-bas. Si tu viens ici, il y a un son, on va t'avancer. Je dois venir l'aider pour que nous tous puissions avancer. Si tu veux retourner les pasteurs là-bas, là où il mangeait les Sili. Pourri. Il rajoute, mangez, et vous allez partir à l'école. Et jusque-là, là où le Seigneur l'a placé aujourd'hui, il puisse pas marcher avec le Seigneur. Je viens encore le distraire pour qu'il retourne là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, moi je suis un témoignage vivant. Papa, il me déclare, Yazalita Toli, Yabo Moïse Kotamo. Un témoignage. Litato. Voilà pourquoi si je t'apporte cet évangile. C'est que papa m'aimait le Samo Malam. C'est pour te dire, les apôtres pour le Bélayo, que Dieu te colo. Dieu est capable de changer ton histoire. Mais n'ayant moins. La crainte de Dieu. Et lorsqu'on a pris mon tour là-haut. Aujourd'hui, si papa il pose la question. Pourquoi fut les autres amoureux? Pourquoi ta vie ne marche pas? Aux autres là, papa. Tu pleures papa? Aux autres là, maman. Tu pleures maman? Beaucoup moins. Mais tu verras. Dieu a toujours la raison. Il a toujours raison quelque part. On n'est pas sur ce monde. Tu vois, le problème que tu les difficultés. Dieu a raison dans ça. Dieu l'a quand tu aimais Dieu. Mais il y a un temps
tu m'avais rejeté. C'est mon temps pour nous, c'est pour la Nzambe. Vieux, notre amour, la cause, c'est belle sans Nzambe. La vie que tu mènes, ça ne va plus à nos seigneurs. Aujourd'hui, Dieu est en train de payer ceux qui ont marché avec lui. Ceux qui ont souffert avec lui. Ceux qui ont marché avec Dieu. Ils ont enchaîné leur corps. Ils ont conservé pour nous. Ils ont touché dans la chambre. Ils ont touché dans la chambre. Si papa ne te dit pas, tu continueras de cette manière-là. Amen. 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 Papa, la vie que je suis en train de mener, c'est pas celle que j'avais voulu. Si, il y a un au Canada. C'est pas ça que tu as voulu. Mais on t'a fini. Prends ça en cours de chemin. Tu l'as pris aussi. Et tu as marché avec. L'ange de l'éternel. Moi j'ai le colo. Autour de ceux qui craignent Dieu. Et les arraches. S'il y a un danger, ce qui dit ta mort, là je viens. Moi j'ai Goya. Est-ce que tu crains Dieu? Et t'arrache au danger. Et si tu ne crains pas Dieu, et là je décline ta responsabilité. Parce que là on ne peut pas arracher quelqu'un qui est dans le suyu. Il ne peut pas toucher quelqu'un qui marche dans le suyu. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, même si le diable se présente sur ta porte, si réellement tu es un enfant de Dieu, alléluia, amen. Papa, nous avons une chose. Tu as été avec le macambo. Et laisse papa nous prêcher ces choses. Vous allez te mettre cette moto, moto, moto. Dans les églises, le feu, matin au soir, moto. Tu vois les gens qui crient moto, moto, ils ne sont pas convertis. Ceux qui viennent à l'église, ils sont nombreux à venir à l'église. Chez eux, la vie continue pareil. Mais c'est quoi l'importance de l'église? Mon tuyau est moyen d'aller voir ma cité, amis. Vous croyez que moi je suis. Je ne suis pas comme ces pasteurs-là qui veulent voir la foule. La foule va te donner. Non, on ne sait pas que les pasteurs, ils ont aussi envie d'avoir la foule, la foule. Mais il te foule, il te vit. C'est bien d'ailleurs. Oh, mais cette vie, c'est la parole. Et quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie. On peut avoir la foule. Mais si cette foule n'a pas la vie. Et tout le monde, c'est quoi l'importance? Il a la moine, parce que je dis à des pasteurs qui s'en foutent. Mais non, papa, tu ne pas t'aider comme on a un gros pamba, tu vas donner la carte. De la vie chrétienne des gens, non. Comment il a battu, il t'a lié, t'es. Non. T'es. Mais ceux qui veulent. Oui, bon, vas-y, cool. Tenez. Pessa. Les séminaires, les séminaires. Koutangisa, voilà, quoi, bébé. Tenez. On paie ça, les sommets. On paie ça. Celui qui ne donne pas. On va pécider. Celui qui ne donne pas. On va pécider. Oui, tu peux donner. Oui, on paie ça, je le prends. Papa, bonsoir. Tu donnes. On paie ça. Je prends. Vas-y. Mais ce qui est important. Ouais, mon Dieu, c'est ta destinée. Moi, je te prêche ta destinée. Tu refuses de donner, c'est pas grave. Mais dernièrement, moi, je t'ai aidé. Ta destinée. L'homme, il y a eu aux amis. Parce que ce jour-là, même moi, le Seigneur me demandera. Je t'avais donné mes brebis. Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Qu'est-ce que tu les avais fait? Et je suis obligé. Papa, tu dis si cela est la vérité, je te le dirai. Dis-moi amen. Amen. Amen était la vie. Et c'est un moment. On reconnaît la puissance de la parole. Quand cette parole donne la vie. Voilà pourquoi les jours où les apôtres ont prêché. La Bible dit que les gens qui suivaient l'enseignement, ils étaient touchés. Et vous posez la question à Pierre. Que ferons-nous? Dans ce que tu as prêché. Oui, ma tangisio, tangisio. Nous étions touchés. Ils ont aussi ma vie. Il y a une vie. Ils ont c'est que les apôtres. Ils t'ont laissé des retours. Allez, quoi. La vie. Qu'est-ce qu'on vous transmet à l'église? Le Nini, la peur. Pourquoi ça va te combattre? Tu sais ce que tu vis? Oui, mais c'est ton oncle. C'est votre père. La peur.
Pourquoi ça va trop bas? Au lieu de nourrir ton père, le Seigneur laisse à toi. Tu as peur d'envoyer 100 dollars à ton père. Quand tu dis le maire et pas à mon parce que si j'envoie 100 dollars, mon seul incantation va faire. Non, je veux dire à une personne. La Bible dit ceci. Il y a le devoir des enfants envers leurs parents. Que tu le veuilles ou pas, ils resteront tes parents. Même si c'est des sorciers, ils resteront tes parents. Tu es dans les devoirs, dans l'obligation de les faire nourrir. Quand tu les donnes à manger, tu as accompli ton devoir. Le Seigneur qui est dans le ciel, qui te protégera. Le Seigneur qui est dans le ciel, qui te protégera. Pourquoi? Parce que tu as accompli les devoirs d'un enfant envers ses parents. Mais les enseignements qu'on vous enseigne, je vous fais prêt. Tu es père de ta famille. Tu te sens pas avec tout le monde. Parce que dans ta famille, il y a la sorcellerie. C'est quoi cette sorcellerie? Même les apôtres n'ont pas cédé cela. Les apôtres n'ont jamais cédé ça. Jamais. Qui l'évangile? Maintenant, tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Je ne sais pas qui. Je vais lui donner. Et demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Moi, pendant que je marche avec le Seigneur, même si tu es un sorcier, tu viens chez moi. On mange à ça. Tu dors chez moi. Dans ce céleri, il est nul. Et sans effet, parce que c'est le Seigneur. Amen. Bon, Dieu vous a révélé ce que dois-tu faire. Tu dois sortir l'enfant. Il y a une maman qui a amené ses enfants ici. Papa, tu vois cet enfant? J'ai marché avec lui dans beaucoup d'églises. Il est passé entre les mains de prophètes et prophètes. Ils ont vu la sorcellerie. Ils ont prié. Cette sorcellerie, il ne s'en va jamais. J'ai dit à cette maman, passe au bureau. Papa, le bureau, maman, les cas, le bureau. Et moi, pendant que j'ai commencé à prier pour cet enfant, quand papa pour de la gona, moi non, Dieu me dira, vous savez qu'on le voit. Cet enfant n'est pas sorcier. Moi non, ça dit. Vous savez, il y a la confusion. Oui, mais moi, mon boule est content de tout là-bas. Entre la sorcellerie. Et l'envoûtement. La sorcellerie et la possession. Là, mon tour, mon mari, la catine. Si tu n'as pas de discernement, ce qui n'y a pas de possibilité, tu vas traiter tout le monde de sorcier. Donc, on a abandonné, ça va permettre de l'abdomen. Mais l'enfant est menacé. Mais l'enfant est envoûté. On doit prier pour que cet esprit d'envoûtement quitte tes enfants. Et vous accueillez la sorcellerie à l'enfant. Et maintenant, vous rejetez l'enfant. Et pendant que l'enfant rejeté. Il se sent isolé. L'intelligence part. La sagesse part. Et là, vous vous confirmez toujours. On nous dit la grâce à ce que Maïe est très bien. L'enfant devient traumatisé. Mais l'enfant n'est pas un sorcier. Je devais faire attention avec ces gens d'église. Vous savez, attention, maman. Sorcier. Sorcier. Toujours. Faites attention, maman. Sauf que l'église, c'est un noc. Tu vas dans une église? Noc. Sorcier. Faut faire attention. Salangele. Maman, on est tous là. Moi, tu vois, la manière que nous sommes là. Sauf que si tu es sorcier ou sorcière,
Dieu peut te laisser une année, deux ans, trois ans. Vous l'avez salué par sa grâce. Pour ça, nous avons besoin de vous, mon ami. Dieu veut que tu te convertisses. Mais ceux qui trois ans, cinq ans, dix ans, vous m'avez monté. Après cinq, ces années, tu te convertis pas. Tu ne veux pas. Dieu va revenir à son serviteur. Dis-moi amen. Amen. Oh, amen. Amen. Et Dieu, ça va dire autre, pas d'autre. Non. Tout le temps, les sorciers. Nous devons prêcher l'évangile. C'est bien, on tient à l'évangile. Deuxième caractéristique. Comme mon ami, allez. En elle était de la lumière. Pour que la parole soit puissante, il faut que cette parole apporte la lumière. Ce n'est pas une parole. Une parole doit éclairer. Mais attention, il y a deux éclairages. Il y a l'éclairage de Dieu et il y a l'éclairage du diable. Parce que les démons peuvent t'ouvrir les yeux pour te faire croire que tu es dans le vrai. Et c'est le rame à mon alouga. J'ai rêvé. La monarchie. J'ai vu. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a des songes qui viennent du diable. Il va t'éclairer pour t'éprouver que cet homme qui est en face de toi, c'est un démon. La femme qui est à côté de toi, c'est un démon. Ça, ce sont des yeux spirituels diaboliques que le monde est en train de t'éclairer. Mais l'éclairage que je parle, c'est l'éclairage de la parole. Que vos yeux intérieurs soient illuminés. Que vos yeux spirituels soient illuminés. Quand tes yeux spirituels sont illuminés, est éclairé, la première des choses que tu vas constater, tu vas maintenant comprendre. Ah, c'est pas eux qui sont là. Faire la différence pour que ça n'y ça entre le bien et le mal. Et le mal. Non, mais. Hey. Tu sais que non, moi j'ai prié. Oui, mais c'est pire, comment dire. Mais avec ses fiancés. Non, mon monsieur. Je ne peux pas sortir avec ses fiancés. Et quoi qu'on m'en a été? Pourquoi? Pour la vie. Parce que tu es éclairé. Pour te dire, dis ça va. Parce que la Bible dit. Pour te dire, pour le moment. Autrefois, dans mon souci, vous étiez ténèbres. Vous avez qui, non? Mais maintenant, ah, si, vous êtes éclairé. Vous avez pour les. Par la lumière qui est Jésus. Non. Pour le Esaïe, voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Il est venu éclairer les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi les gens qui vivent dans les ténèbres n'acceptent jamais la lumière de la parole. Il y a ça pour ça notre bénédiction. Lui, il a envie. C'est pour prêcher la bénédiction. Dès que la parole de Dieu commence à toucher à sa vie, là, il croit que c'est comme si on avait déjà raconté l'histoire. Cet homme-là vit encore dans les ténèbres. Voilà pourquoi c'était la mission que tu avais donnée à Paul. Dieu dira à Paul ceci. Paul, j'étais appelé. Et j'étais envoyé vers les nations. Premièrement, pour que tu enlèves mon peuple de ténèbres à la lumière. Quelle ténèbres? Les ténèbres du péché à la lumière de la parole. C'est ça la mission de l'Église. Moi, si Dieu m'a appelé, premièrement, c'est pour vous faire quitter à la lumière de la parole. Les ténèbres du péché à la lumière de la parole. Tant que tu n'as pas encore quitté les ténèbres du péché, pour que tu accèdes à la lumière de la parole, le reste ne cherche même pas ça. Ne cherche pas. Parce que tu es encore ténèbre. Parce que tu vis encore dans les ténèbres. Dans la curiosité, tu es là. Dans les mensonges, tu es là. Dans la fornication, tu es là. Dans le mal, tu es là. Tu ne tiens pas les ténèbres. Et quand la parole de Dieu vient, écoutez au commencement. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres qui planaient. Il y avait les ténèbres qui régnaient. C'est que là où les ténèbres règnent, la terre
est toujours informé. Et ça va dans le et cette terre est toujours vide. Quand ta vie est vide, dans le domaine des maladies, il y a un vide. Le domaine de la santé, il y a un vide. Le domaine de la maternité, il y a un vide. Le domaine de la stabilité, il y a un vide. Tu te poses la question, pourquoi ça? Parce qu'au-dessus de ta vie, il y a les ténèbres qui règnent. Une vie où le ténèbres règne, c'est une vie qui est vide. Et cette vie est informe. Mais je veux dire à quelqu'un, pour que ta vie prenne forme. Maman, est-ce que vous n'avez pas de vie dans la forme? Maman, tu vois pas que ta vie n'a pas de forme. Une vie qui n'a pas de forme. Mais pour que ta vie prenne forme, il n'y a qu'une seule chose qui est importante. Ce n'est pas d'aller consulter les prophètes. Ce n'est pas d'aller consulter les bishops. Non, nous devons consulter une personne. Cet homme, son nom, c'est la parole. Et quand il prononcera une parole, ta vie changera. Et le Seigneur a constaté que cette terre est vide. Cette terre est sans forme. Est-ce qu'il y a la ténèbre qui règne sur elle? Maintenant, la première des choses que le Seigneur a fait, il n'a pas donné la forme à la terre. Il n'a pas rempli la terre qui était vide. Mais il s'est attaqué d'abord à l'essentiel. L'essentiel dans ta vie, ce n'est pas dans le mariage que ta vie prenne forme. Non, ce n'est pas le remplissage de tous ces vides-là. Non, mais l'essentiel, on va s'attaquer aux ténèbres. Il y a quelqu'un qui peut prendre la décision aujourd'hui.
Maman, tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Celui qui est venu qui vient. Une soeur qui vient voir le pasteur. Papa, les gens que je l'amènerai à l'église, papa, tu seras content de le voir. Non, c'est vrai, papa, tu seras content de le voir parce que tu as rappelé le mec qui fait ton goût. Papa, si tu le vois, il est musclé. Il est musclé. La tablette à chocolat. Les tablettes de chocolat. Parce que la vie, ça n'a pas à l'aise, c'est bien. C'est quand il connaît, il vient raconter, il faut le laisser parler. La chocolat, la tablette à chocolat, la soeur, si seulement la tablette de chocolat, elle ne connaît pas le cœur de ces messieurs. Donc, il connaît, il a un coup de la tablette. Voilà ce qu'il a, on a quelqu'un qui est venu dans le monde. Voilà la tablette. Tablette. Parce que tu as yé, tu as yé. Papa, si je l'avais au monde, yé, tu le vois. Papa, mais pas bien. Papa, c'est gentil. Pas si bien sur ta vie. Monsieur, aucune autorité. C'est pas de la sorcellerie. Mais Azep Samonan. Il dit ça à qui? À son père. À son pasteur. Ami Badaka, papa, la canine de la carte, nous autres. Quand il est venu, il s'est contenu, je suis retenu, mais il voulait se rendre. Donc on a zo, on va la blague. Comme il m'a promis le mariage. Alors, monsieur, tu vas te l'état, on va la sauter. D'ici, si je reste pas avec lui, il va plus me prendre au mariage. Papa, nous habitons déjà ensemble. Papa lui a demandé. Maman, vous êtes déjà restés ensemble. Papa, m'a aidé. Beaucoup de fois, papa. Et maintenant, tu viens raconter au pasteur au bureau. Ok, calme-toi. Ça va. C'est quoi? Pas de problème. Non, tout le monde est dans la franche. Là, papa te dit, je vais te poser une question sur la franche. Est-ce que ça m'a dit bonjour au Valdoné? Est-ce que c'est bon, le premier mec avec qui tu es resté? Ok. Non. Il n'y a pas la solo. Pourquoi la solo de la première? Dis la vérité, papa, il a dit. Bah, ça, Paris, ça fait combien d'années? Depuis que tu es à Paris, ça fait combien d'années? Papa, 6 ans. 6 ans à Paris. Est-ce qu'on a 6 ans là? Dans ces 6 années, au Yéli, il n'y a pas de bonnes. Tu as rencontré combien de mecs? Papa, 7. 7 garçons. On a 7 Yéli. Dans le 7, pardon, Yéli, on a dans la bande. Tout le 7? Oui, papa. Oui. Pourquoi papa l'a ôté? Pourquoi il t'a pas pris en mariage? C'est pourquoi je suis venu pour que tu pries pour moi. C'est pourquoi ça commence à devenir toi, je suis venu. Il y a d'autres histoires, même le diable. Satan n'a pas dit non, tu es exagéré. Et Satan il dit non, oui, exagéré. Tu exagères. Et où est-ce ici? Satan a lobby. Maman, juste comme tu sois tambour de ma soeur, comme la main de Samuel, Nef Sanzamel, papa, il dit. Toi qui es déjà dans le péché, que ce mec me prenne en mariage. Tout ce qu'on donne à un mari, dans le mariage, tu lui as déjà donné. Qu'est-ce qui va encore lui pousser à son mari? Oui. Il a déjà donné tout et maintenant tu es pressé. Si tu veux rester avec moi, tu avais déjà donné avant et c'est pressé. Ah, il parle que de moi. C'est comme si. Hey, c'est à toi que le patient parle.
Papa te parle pour que tu arrêtes. Que tu dois glorifier le Seigneur. Que le Seigneur marche aussi avec toi. Écoute, le sorcier de la vie commencer. C'est le même moment. Papa, tu as raison. Maman. Seigneur, nous nous donnons encore un grand cœur dégoûté. Un jour, il ne va pas prendre les autres. Comment ça va passer du temps inutilement? Je suis dans parmi les sept avec qui je suis sorti, je suis quatre dans cette salle de mariage. Alors là, il se posait. La manière que il y a tous les quatre là, qui s'est pris. La sœur est devenue mal à l'aise. Regarde, écoute ce que ma sœur racontait au pasteur. Quand elle a fini de parler, papa lui a dit, ah, j'ai mis pas. Papa lui a posé les mains. Cet esprit. Le serpent. Cet esprit. La sirène. Les sirènes. Cet esprit. La fornication. Fornication. Des esprits. La prostituée. La prostituée. La ça va bien, monsieur. Est-ce que maman. Est-ce que maman. Il a failli dire, papa, je suis pas prostitué. Papa, toi, tu vois pas, papa, il a vu. Comment est-ce que tu dis? Allez, tellement. Lève-toi. Maman. Tu as la décision d'aller. Prends la décision des aujourd'hui. Tu as la manière que tu vas retourner. Va dire à ses frères. Si c'est les frères Jado. Si c'est les frères Mathieu. Si c'est les Mathieu. Dis-lui. Mais aujourd'hui, moi et toi. Aujourd'hui. Nous autres. Le corps séparé. Si il est pour toi, il cherchera à t'épouser. Si il n'est pas pour toi, il partira. Amen. Non, amen. Amen. La lumière de la parole. Vous m'avez dit ça, même avant l'instant. Ça, je vous apporte la lumière. Oui, papa, j'ai compris le sous-tour. Que vous quittez les ténèbres à la lumière. Oui, le lit, le contenant. Oui. Le séminaire qu'on a annoncé là-bas. Le lien doit tomber. Quand tu pars seulement combattre pour les liens de famille. Et bien dans les ténèbres, là ça t'est enfoncé. C'est pas un lien. D'abord il faut que ce lien tombe. Il y a un peu de mignolo le coin là. Nous allons nous lever. De côté les mains, jusqu'à deux amis. Nous sommes ici le mardi. Nous avons mon ami Balé. J'invite toute l'église le mardi. Papa Bengi, Mboma Mboma, mon ami Balé. Nous allons prier. Pour que tous ces ténèbres qui viennent sur toi, vous allez comprendre les gonds. Que la parole de Dieu chasse ces ténèbres. Toutes ces ténèbres qui rendent ta vie informe. C'est pourquoi je t'invite à la prière. Il y a pourquoi avant de prier. D'abord cette connaissance que tu viens de recevoir. C'est très important. Quand tu viens la connaissance, c'est la parole. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as éclairé. Aujourd'hui, je prends la décision de quitter le monde des ténèbres pour accéder à la lumière de la parole. De quitter le monde des péchés. Mais ce qui règne en toi, c'est la faiblesse. Tu prends la décision. Mais demain, tu ne peux pas. Tu prends la décision. Tu réponds. Tu prends la décision. Mais tu n'obéis pas. Lève tes mains. Je veux que là où tu es,
tu diras à Dieu, je le décide, marche avec moi Seigneur, moi-même je ne peux pas, je suis faible dans la chair, je suis faible, mais je veux que ton esprit me conduise pour que j'obéis à ta parole, pour que j'obéis à tes préceptes, pour que j'obéis à tes enseignements, et que je devienne réellement ton fils. Que je devienne réellement ta fille. Que je devienne réellement ton disciple. Prends la décision. Élève ta voix. Commence à prier. Prends la décision. Depuis que tu te disais chrétien, quelle était ta marche? Mais aujourd'hui, nous avons reçu la lumière de la parole. Que cette parole t'éclaire. 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 Que tu sois éclairé par la parole. Alléluia. Nicolo, na kosalela, na bomoi, na ganyoso, na kola, na seyo, kola li ibiso, tukene esemo, na kumo ya Kristu Mokozi. Ce qui me fait parler, la côte à la séance, la cosi ma gata, mon bonheur est sous ta élite canada. La cause de l'homme, la cause de Amen.